Quelle vue imprenable depuis ce château de Foix, n'est-ce pas? Bonjour, bienvenue, merci de nous être fidèles. Cette semaine, je vous emmène prendre un grand bol d'air dans les Pyrénées à la découverte de l'Ariège. Alors il faut savoir qu'après plus de 50 années d'exode rural, eh bien, ce département comptait l'une des densités de population les plus faibles de France. Mais heureusement, depuis quelques années, on constate un retour aux sources de ceux qui l'avaient quitté. On remarque également l'enthousiasme des nouvelles générations qui restent ici pour valoriser leur terre natale, sans oublier celles et ceux qui en sont tombés amoureux et qui ont choisi de s'y installer. J'ai donc eu envie d'aller à la rencontre de ces Ariégeois pour essayer de comprendre comment cette belle région était devenue une destination de plus en plus visitée. Voilà, soyez les bienvenus dans mes échappées belles! Bienvenue en Ariège. En Ariège, tout est plus grand. On va aller vers le pic de Pradette. Là, c'est plutôt de la montagne à vache, c'est assez doux, alors que de l'autre côté, c'est plutôt minéral, plus exigeant. Oh, la vache! C'est ça. Tout est plus haut. Là, aujourd'hui, on va aller monter à 1800 mètres d'altitude. Donc ça fait combien de kilomètres de transhumance? On va faire une quinzaine de kilomètres. Tout est plus beau. Ça, c'est l'or de la rivière Ariège. Ça, c'est le trésor, pur fromage ariégeois. On sait bien qu'on ne fera pas fortune avec les paillettes qu'on trouve. Mais ces moments, c'est des moments à mort. En Ariège, tout est plus simple. Velouté, poireaux, pommes de terre. Formidable. Chez nous, viennent des Russes, des Australiennes, des Américaines, des Néo-Zélandais, des Africains du Sud. Pourquoi ils viennent ici? Parce qu'on a quelque chose d'unique. Et surtout en Ariège, on a du caractère. De toute façon, des fêlés en Ariège, mais il y en a partout, quoi. Et je prends l'accent, comme ça. Est-ce que ça te dit d'aller voir le plus vieux bouquetin du monde? Et le sens de l'amitié. Merci. Un grand merci, Olivier. Un grand plaisir. Je suis très heureux et très fier d'avoir un couteau de chez toi. À l'Ariège? À l'Ariège, il y a ses nouveaux talents. Bienvenue en Ariège! Moi, je découvre l'Ariège, là. Et c'est très joli comme département. Oui. C'est magnifique, ces vaches sont en train de pâturer là, sur les jolies montagnes ariégeoises. Et puis ici, elles sont en totale liberté. Oh, quel décor somptueux. J'ai comme l'impression que je vais en prendre plein les mirettes cette semaine. Bah, c'est l'Ariège, quoi. L'entrée en matière, c'est sublime, c'est magnifique. Et oui, pour tes premiers pas en Ariège, je t'emmène sur l'un des plus beaux sites qu'on ait ici, le cirque de Cagatay. Endroit superbe pour randonner et aussi pour voir un animal bien particulier, le bouquetin, qu'on va essayer d'aller observer. Oui, je sais que tu es un des spécialistes du bouquetin dans la région. Pour pas dire le plus grand, au moins par la taille. Par la taille sûrement, pour le reste je m'avancerai pas. Mais effectivement en Ariège, tout du moins ici, je pense que je suis celui qui les voit les plus fréquemment. D'accord. Et du coup, je vais essayer de te faire partager mon quotidien. Et croisons les doigts qu'ils veuillent bien se montrer. Et croisons les cornes. Les cornes, ce sera plus compliqué. On y va? C'est parti. C'est par là. Par là? Ça marche. Et là, toute cette zone, Jordi, fait partie du parc? Oui, tout à fait. Là, on est dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Donc, c'est la structure pour laquelle je travaille. Ouais. Et c'est un territoire qui couvre à peu près un petit tiers de l'Ariège, du département. Ouais. Et c'est 141 communes qui se sont associées pour mener ensemble un projet de territoire pour protéger et valoriser les Pyrénées ariégeoises.
C'est fou quand même. Et donc là, tu veux quoi? Que je prenne un peu d'élan pour aller sur la pente en face? Ouais, et puis que tu puisses sauter bien droit dans l'axe. Ça va être abrupt, ça va être beau. Oui. Il va faire attention où on met les pieds. Oui. Ça n'en finit jamais. Là, ça fait une bonne bombée. J'espère qu'on va être récompensé. J'espère aussi, mais rien n'est jamais garanti. Allez. Ouf. Ça y est, Jorme, on est arrivé. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Allez. Bon, toi qui as l'œil de Steve Austin, tu penses que c'est plutôt vers le haut, plutôt vers le bas? En général, il faut chercher dans ce secteur-là. Là, sur la pente, aussi pentu que ça, là? Ah oui, oui, oui. Ça, c'est ce qu'ils aiment. Là, ils peuvent être n'importe où, ici. Ah bah, t'es... Non. Ça y est, trouvé. T'es sérieux? Trumps. Regarde. Ah, juste oui, en bas, face... dans les dalles, là, bien lisses. Juste en face de nous, on les voit à l'œil nu, en train de bouger, là. Eh oui, je vois, ça y est, il y a un tout petit de rien, là. Oh, mais il est minot, celui-là. Ah oui, celui-là, il est pas bien vieux, il a quelques semaines. T'as vu déjà, tout petit, l'agilité qu'ils ont dans les falaises? Ah oui, mais on se pose pas la question, pas, hein. Mais oui, tais-toi, oui. Je comprends. Je les laisse. Hein. C'est génial. Ah, c'est fabuleux. Ah, c'est je pensais pas qu'on en verrait déjà, parce que tu me disais que la probabilité était faible, mais là, d'en voir en plus autant que ça. Il faut savoir que le bouquetin, c'est un animal qui a eu une histoire assez tourmentée dans les Pyrénées, puisqu'il en a complètement disparu en 2000. Et depuis 2014, le parc mène un programme de réintroduction de l'espèce. Okay. Aujourd'hui, on en a lâché 95, et ces 95 se sont reproduits. Donc on est sur le site du retour du bouquetin dans les Pyrénées ariégeoises. Et vous leur donnez des noms? Vous avez des numéros? C'est quoi Ils ont des numéros. Des numéros? Ouais, c'est pas très glamour, les numéros, mais ils s'appellent 91 672. Ouais. Le petit, il faut l'appeler Guy. 82. Faut l'appeler Guy. Tu veux l'appeler Guy, le petit? Bien, moi, je préférerais Pete. Pete? Ça irait bien, ça te rappelle Pete. Quelqu'un, ça, en particulier? Ouais. Ah bon? Ouais, ouais. L'Ariège est un des départements les moins peuplés de France. Mais pour la première fois depuis 150 ans, sa population augmente à nouveau. De nombreuses personnes font aujourd'hui le choix de s'installer sur ce territoire rural et montagneux. En 2011, Anne et Clément ont opté pour un changement de vie radical. Ça n'a pas été évident. Ça, moi, j'ai bien mis 6 mois à me faire à cette nouvelle vie, qui est assez totalement différente de la région parisienne. Avec le recul, je me dis que ouais, pour moi, c'est exceptionnel ce que j'ai fait. En plus de changer de territoire, Anne et Clément ont changé de métier. Ancien technicien vidéo, Clément est désormais le fromager de Saint-Girons. On a pris vraiment la décision de partir, on a pris une carte de France, on a tracé un trait entre Bordeaux et Genève, et on a visé le sud, en enlevant l'arc méditerranéen. Voilà, c'était la destination qu'on voulait. Clément affine les fromages locaux depuis maintenant près de 7 ans. Ça, c'est le trésor. C'est joli comme tout, ça. Que fromage ariégeois. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut le déplacement. Avant de nous lancer, on avait quand même quelques interrogations. Est-ce qu'on faisait vraiment le bon choix? Pour nous, déjà, personnellement, et puis après pour les enfants aussi. Parce que bon, c'était quand même un risque. On quittait notre travail, notre petit cocon habituel pour se lancer dans une aventure. On est arrivé ici, on s'y est très très bien plu, qu'on continue à s'y plaire. Et pour l'instant, on s'en voit pas du tout repartir ailleurs. Chaque semaine, Clément prend son camion pour livrer ses produits dans tous les recoins du Couserans. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un bout de montagne. Un bout de montagne, un petit bout de mouise, regardez. Oui, voilà. C'est bon, vous l'avez? Je vous remercie. Au revoir.
faire ces tournées, ça m'a, au début, ça m'a permis de connaître vraiment le pays, de passer dans des coins la semaine et dire tiens, ben là, ce serait pas mal qu'on y retourne le week-end se balader parce que le petit coin, il a l'air sympa, ne serait-ce que pour y pique-niquer. Moi, je m'en lasse pas. Je fais la même route toutes les semaines et presque on la découvre chaque semaine, on peut y découvrir un détail. La beauté des paysages ariégeois n'attire pas que les Parisiens. Certains ont même décidé de traverser la planète pour s'installer dans cette région des Pyrénées. C'est le cas de Karina Waters et de sa famille. En 2013, ils arrivent d'Australie et achètent le château de Gudane, au pied du plateau de Bay. Au départ, quand on a décidé depuis l'Australie d'acheter une petite résidence secondaire, on s'est dit, on ne veut pas un grand château. On ne veut pas un projet de restauration ni un monument historique. Et en un rien de temps, on s'est retrouvés avec les trois en même temps. On imaginait une petite résidence dans un petit village, mais c'est ce qui arrive parfois quand on tombe amoureux. Je n'imaginais pas que quelque chose comme ça puisse exister. Je viens d'un pays où tout est plat. Donc étant entouré par toutes ces montagnes, on ressent quelque chose de mystique. Le château date du XVIIIe siècle. Cette demeure gigantesque de 94 pièces n'était plus habitée depuis les années 50. La toute première fois que nous avons visité le château, en y entrant, il n'y avait ni sol, ni mur, ni plafond. Il était classé comme ruine. Tout était écroulé dans ce hall. Ici, on y voyait le ciel. La famille passe l'hiver en Australie et consacre les étés aux travaux de rénovation. Et après, on est entré dans ce qui était peut-être la plus belle pièce. Le salon de musique où tout était couvert d'or et de tous ces détails romantiques du XVIIIe siècle. Et quand vous venez d'Australie ou des États-Unis, c'est tout à fait l'idée que vous vous faites de la France. L'histoire de Karina et de sa famille a fait le tour du monde. Des gens venus des quatre coins de la planète viennent désormais les aider dans leur projet de rénovation. Grâce à eux, le lieu reprend vie petit à petit. Voir le château s'animer à nouveau enthousiasme les habitants de tous les environs. Ça va ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Oui, j'ai pris des saumons de fontaine. Oui, oui, ok. Marie-Andrée vient du village voisin. Elle a grandi avec le château. Bon, elle fait revivre quand même le château, qui est un peu de notre... qui nous appartient un petit peu, on va dire, puisqu'on est du village. Et je trouve que c'est une dame très courageuse. C'est énormément de travail. Mais pour devenir une véritable ariégeoise, Karina devra surtout travailler son français. Elle fait beaucoup de progrès l'été, mais quand elle repart en Australie... Pour moi, c'est très difficile, les langues. Un patrimoine, des paysages grandioses, des habitants ouverts et beaucoup d'espace. L'Ariège est une terre d'accueil prête à tendre les bras à quiconque cherche à vivre une nouvelle aventure. Et voilà Jérôme, bienvenue chez moi, à Foix. À Foix, ça fait combien de temps que tu habites ici ? Ça fait 5 ans que j'habite cette ville. D'accord, alors moi c'est la première fois, si je puis dire, que je viens à Foix. Je ne connaissais pas la ville à proprement parler, je connaissais là, ce château sur ce promontoire qui est extrêmement connu, qui est une des images fortes de l'Ariège. Oui, et puis là on va marcher un petit peu, on va aller dans les vieilles rues de Foix qui sont restées très bien conservées. D'accord, médiéval j'imagine un peu ? Oui, ouais. Oui, typiquement. Puis on voit bien là les trois tours du château. Alors en haut on voit flotter un petit drapeau, c'est quoi ? C'est l'emblème de Foix, c'est le blason fuxéen, puisque les habitants de Foix sont les fuxéens et les fuxéennes. Faut que je note ça, c'est bien dans les quiz quand on fait des questions. C'est ça. Thank you.
Hop. Attention, Véro. Allez-y, priorité. Elles ont beaucoup de charme, ces petites ruelles, je trouve. Pourquoi ouais. Tu as choisi de t'installer à Foix? Qu'est-ce qui te plaît ici? Moi, j'aime bien le fait que, du fait que c'est une petite ville, on connaît les gens, on les recroise régulièrement, on peut facilement discuter quand on va au marché ou quand on va en soirée ou quoi. Ouais. C'est une petite ville qui retrouve cet aspect de vie de village. Ouais. Ouais. Tiens, j'aimerais te montrer quelque chose. On va aller rencontrer Olivier, artisan coutelier à Foix. D'accord. À la coutellerie Savignac. Bonjour. Bonjour. Salut Jordi. Bonjour Olivier. Ça va, impeccable. Bonjour Jérôme. Bonjour Olivier. Enchanté. De même. On vient te voir parce que je me suis dit que Jérôme ne pouvait pas partir d'Ariège sans avoir vu ton travail. D'accord. Et le couteau ariégeois. Parce qu'il y a une forme de couteau spécifique à l'Ariège. Oui, d'accord. Oui. En fait, on fabrique des capucins. Capucin, c'est en fait un couteau qui... En bas de manche, à une forme de capuche, des moines capucins en fait, qui étaient représentés de profil. Ah, ce serait ça, la capuche et la voilà. Tête, d'accord. Vu de profil, et avec une lame en forme de feuille de sauge. Et la particularité de l'ariégeois, c'est qu'il est, il est arqué sur toute la longueur, qui était l'outil qui servait à travailler, à manger, à un peu tout. C'est un bel objet, je trouve. Toi, tu en as un? Ben, bien sûr. C'est vrai? Évidemment. Comme tout bon ariégeois. Ah. Ah oui, tu vois? D'accord, donc j'ai rien dit. T'es un vrai ariégeois, ça y est. Mais on va aller faire le tien, maintenant. Oui, avec plaisir, ouais. On va à l'atelier, on peut le faire. Avec grand plaisir. Allez. Donc okay. C'est un acier très performant et de très bonne qualité en inox, c'est vraiment très, très intéressant. Ouais. Voilà, et après, c'est plutôt pour des mains comme les vôtres. Donc il pèse son poids. Alors Jérôme, est-ce que... Ça sent bon. Les petites odeurs d'atelier, hein. Ouais. Voilà, donc là, tu as du chêne. Là, tu as du noyer, un bois un peu plus foncé et des bois un peu plus veinés avec du frêne. Ouais, j'aime bien le chêne, je trouve ça joli. C'est des belles il est pas régulier celui-là, ouais. J'aime bien l'idée. Et ensuite, pour monter ton couteau, on a une lame sur laquelle il nous reste quelques étapes de finition. Je vais te faire un petit ciselage sur le dos de la lame et tu pourras repartir avec ton ariégeois. Il y a un petit cœur, il y a beaucoup d'amour alors. Ouais, mais le cœur, il va t'expliquer, Olivier, pourquoi il y a un cœur sur la lame. Le cœur à l'ouvrage, voilà. Le cœur, en fait, c'est le symbole de notre coutellerie. C'était le symbole de Ferdinand Gratte, mon arrière-grand-oncle, qui fabriquait le capucin local. Et en fait, on l'appelait Gratte à cœur. Et on a trouvé bien de remettre le cœur notre production. C'est-à-dire que la maison Savignac est de génération en génération. Depuis combien de temps ça existe? Au plus loin, on est remonté au XVIIIe siècle. Ah oui, oui. Et c'était toujours dans ta famille? Oui, par wow. Des alliances. Super, c'est ça. Resté dans la même famille. Un chapeau. Une maison historique de ouais. L'Ariège. Tu le prépares? Ouais. Magnifique. Écoute, je crois qu'il faut donner une pièce lorsqu'on se fait offrir un couteau. Exactement. Voilà. Pour pas couper les liens. Je n'ai que ça, je laisse ça pour le personnel. Trop généreux. Merci à toi. Merci. Un grand merci, Olivier. Ouais, grand plaisir. Je suis merci. Très heureux et très ça fier d'avoir un couteau de chez toi. Merci, Olivier. Au revoir, merci Olivier. Ciao. Donc, Jérôme, après cette petite balade dans les ruelles de Foix, ouais. J'ai une question. Est-ce que tu as peur du noir? Ah, non, c'était quand j'étais non, petit, ça. T'as pas non, peur? Non, ça va maintenant. Est-ce que ça te dit d'aller voir le plus vieux bouquetin du monde? C'est quoi ce truc? Oui, bien sûr, oui. Avec une barbe grise. C'est ça, on y va. Non, sérieux? Oui, 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 c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vas voir. Thank you.
crois que j'ai compris, hein. Oui, t'as vu où est-ce qu'on vient d'arriver. Ici, c'est la grotte de Nyon. Ouais. Donc, on va aller voir des peintures préhistoriques. Super. Alors, pourquoi ces lampes? Il fait noir complet à l'intérieur. Il n'y a pas du tout d'éclairage artificiel. D'accord. Donc, on va pouvoir s'éclairer qu'à partir de ces petites lampes. Très bien. Ça marche. Ah, je suis content d'aller voir ça. Je te laisse partir devant. Ouais. Attention à la flaque, Jérôme. Ah oui, carrément. Ah, parce que les sols sont pas aménagés non plus. Oh, c'est chouette. Ah, tiens, il y a Emmanuel. Ah, bonjour Jordi. Bonjour Emmanuel. Ça va? Bien et toi? Attention, ça glisse. Oui, enchanté. Jérôme. Bonjour Emmanuel. Emmanuel qui est guide, vous êtes alors, guide ici? Guide oui. De la grotte de Nyon, ouais. Un des guides de la grotte de Nyon, je ne suis pas tout seul. Cette première salle a l'air très vaste, hein? Oui, c'est une grotte qui a de très gros volumes. Vous allez voir que le parcours est assez long et elle est assez importante en termes de volume, surtout sur la fin. Mais ça va être le cadeau, la récompense à l'arrivée du parcours. Bon, on ne va pas tout te dévoiler maintenant. Je crois qu'il y a 50 km, c'est ça, avant d'y arriver. Mais quasiment un. Quasiment un. Ouais. Allez, on te suit alors. C'est parti. Il fait froid, je sais pas comment, quelle température on est. 12. 12. Mais avec 100% d'humidité. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on ressent bien la fraîcheur jusque dans les eaux. Allez, on arrive au salon de voir. Moi, je vais passer là, vous restez le long de la barrière. Et vous allez éteindre vos lumières. Venez avec moi, restez le long de la barrière. Allons-y. Voilà, venez ici. Vous vous mettez bien dans l'angle, là, tout prêt. Et si vous êtes prêt. Ah, je suis prêt. Des yeux écarquillés. Passion. Superbe. Ah, il y a énormément de détails. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus simple. On a des représentations tout à fait uniques. Est assez rare. On a quand même très peu de grottes avec de l'art pariétal conservé comme ça. Il y a énormément de diversité d'animaux. Est-ce que tu les reconnais tous? Je sais pas, des bisons, je pense, en haut, là. Bien sûr. Ouais. Les chevaux, un, deux. Et puis, peut-être le plus le vieux bouquetin du monde. Et oui, exactement. Tout du moins, la plus vieille représentation de bouquetin. En fait, les hommes préhistoriques sont venus ici il y a 15-16 000 ans et ils ont dessiné tous ces animaux dans un cadre rituel assez particulier. On n'est pas là sur un lieu de vie. D'accord. On n'a pas de foyer, on n'a pas de restes d'animaux, on n'a pas d'outils taillés. On est vraiment dans une grotte qui est utilisée que pour la peinture. Ouais, c'est un beau spectacle de voir que des gens sont venus peindre des bouquetins ici il y a 16 000 ans et puis qu'encore aujourd'hui, on se préoccupe de cet animal et de le conserver dans les Pyrénées. Et de conserver quelque part l'héritage que les hommes préhistoriques nous ont légué. Ouais. Allez, on va les laisser dans le noir qui les protège et je vous invite à retrouver vos lampes. Comme un défi lancé au temps, à flanc de falaise, les châteaux et les citadelles fortifiées dominent toujours les paysages de l'Ariège. Et derrière les pierres, des passionnés continuent de faire vivre l'époque du Moyen-Âge. À Mirepoix, Martine et ses amis font un dernier essayage des 4000 costumes pour la fête médiévale de la ville. Je suis pas sûre qu'on va être engagé au château. Hein. Attends, là, tu es en train de faire... C'est le mien, ça. Toi, tu fais l'autre. C'est chouette de faire la princesse, mais ça va bien un temps. C'est joli, hein. Parfait. Dans les pas des consuls qui administraient la ville, la petite troupe se dirige vers la bastide historique de Mirepoix, l'un des plus beaux villages de l'Ariège. On entre dans la ville de Mirepoix par la seule porte qui reste, qui s'appelle la porte d'Aval, donc côté ouest.
Et de l'autre côté, il y avait la porte d'amont côté est. Et il y avait ensuite deux autres portes, mais les trois autres ont disparu. Au milieu des touristes et des habitants, Martine et ses amis font revivre l'histoire mouvementée de Mirepoix. Détruit par une inondation en 1289, deux siècles plus tard, la ville se relève grâce à la création de cette grande place encerclée de galeries couvertes. Sous les fenêtres des maisons à colombages, la population se rassemble pour les foires et les marchés. Le centre-ville est né. Ça permet de se promener dans Mirepoix sans souffrir du soleil ou de la chaleur. C'est très agréable. Puis quelque part, ça établit quand même un lien visuel avec le passé de la ville. Je veux dire, ce sont vraiment des bois très anciens. Ce sont des cœurs de chêne pour les principaux bois. Et ensuite, il y a du résineux dans l'autre sens. En suivant les poutres, sur la façade de la maison des consuls, une centaine de sculptures révèlent un catalogue caricatural de la vie médiévale. Alors la plus amusante, c'est ici, la sculpture qui est juste au milieu, c'est-à-dire que globalement tout le monde était sûr de passer dessous en entrant chez les consuls. C'est un homme nu qui fait le poirier, voilà. Et en général, je signale qu'au soleil couchant, les reliefs sont soulignés. Voilà, je laisse les personnes deviner. Si pour Martine et ses amis, le Moyen-Âge est une passion qui permet d'égayer leur temps libre, quelques heures par semaine, pour d'autres, c'est un véritable choix de vie. À Montségur, Richard et sa femme, Anne-Mi, vivent comme au Moyen-Âge. Lui est devenu drapier, elle est tisserande. Dès qu'ils le peuvent, ils installent leur grande tente, leur seconde maison. C'est une tente qui est attestée tente 13e siècle, ce qu'on appelle une tente normande. Et donc tout ce que nous avons, c'est certifié historique hein, par des gens qui les fabriquent, par des chercheurs comme nous aussi, puisque nous faisons également de la recherche. Donc voilà, par exemple, les cordes sont en chanvre. Encore tirer peut-être un tout Encore petit peu. Encore tirer un peu. Oui, oui. Il faut être quand même, débrouillard et puis manuel quand même. Pour cette vie sobre, Anne-Mi a quitté sa Belgique et son plat pays pour les montagnes vallonnées de l'Ariège. On n'utilise pas des machines. Tout est en harmonie en fait. Hein, et même quand on fait ces gestes, moi je dis souvent, c'est une sorte de méditation aussi en même temps. Donc voilà, c'est un petit peu... un choix de vie, une philosophie de vie, et ça me correspond. Ancien gardien du château, Richard continue d'y monter comme un pèlerinage en hommage aux cathares persécutés par l'Église catholique et les rois de France. Au XIIIe siècle, ils sont plus de 500 à vivre sur les pentes de ce piton rocheux. À 1200 mètres de haut, Montségur signifie alors la montagne sûre. Vous avez pratiquement le même paysage que les bons hommes et les bonnes femmes avaient lorsqu'ils montaient sur ce lieu, et puis les chevaliers en même temps, évidemment, les faillites. On peut avoir pratiquement cette même vision 800 ans après. C'est toujours très très émouvant d'être là. Richard revendique une relation quasiment mystique au château de Montségur, bien qu'aujourd'hui, il ne reste plus que des ruines. Avec son drone, Tristan a décidé de le reconstruire en trois dimensions. Pour cet historien, pas besoin de costumes traditionnels pour faire revivre le Moyen-Âge. Montségur a connu une occupation multiple, que ce soit avant les cathares ou après les cathares. Et donc l'objectif, c'est de reconstituer, époque par époque, on va dire, les étapes de l'évolution du site. L'approche des nouvelles technologies n'enlève pas le rêve, bien au contraire, je pense qu'elle donne un cadre au lieu, comme un décor de cinéma, et ensuite, eh bien, l'imagination va prendre le pas pour faire jouer les acteurs en quelque sorte dans nos têtes, en connaissant l'histoire, bien sûr. À l'ombre du château de Foix, dans les jardins de la préfecture, Patrick travaille lui aussi comme un metteur en scène pour orchestrer son jardin médiéval. C'est une plante de notre flore en France, le staphysègre. C'est une plante qui est utilisée pour traiter en lotion contre les poux. Par exemple, au Moyen-Âge, c'était très fréquent. Sa passion du Moyen-Âge, Patrick la vit à travers ses fleurs oubliées et ses plantes médicinales, convaincu qu'elles ont elles aussi des histoires à raconter. Pour le découvrir, direction le chemin de ronde de l'emblème des contes de Foix. On va
voit que ça. Quand on arrive à Foix, ce château qui domine la ville, on a les pierres à nous d'amener les plantes, je dirais presque. C'est ce que j'essaie de faire, moi, dans mon travail. Et ça nous permet de voir revenir des plantes comme ça, qui avaient un peu disparu et qui viennent recoloniser ces murs. Construit à l'origine pour défendre les populations, les murailles et les tours des forteresses continuent aujourd'hui de protéger l'héritage médiéval de l'Ariège. Véronique, la patronne. Et le patron est là. Oui, alors. Ça va, Didier? Ça va. Tu veux un petit coup de main, peut-être? Ouais, ça va aller, hein. Ça, c'est pour le frigo, là, ça. On va charger plutôt les fruits et légumes. Donc, c'est le camion que j'ai vu dehors, ouais, avec lequel tu fais ta tournée. Tu livres tous les produits dans les villages. Voilà. C'est chouette. Balader. Mais c'est bien achalandé, il y a plein de beaux produits, là. Il y a du frais. On n'a pas tout, mais bon, on a le principal pour les journées, les paniers, surtout. Bon, ben, bah, je t'aide. Voilà. Tu as besoin d'un, voilà, d'un stagiaire? Ouais. Allez, je suis ton stagiaire aujourd'hui. Alors, on va attaquer les oranges. Oranges. Hop. Tiens, tu m'en mets une autre dessus. Allez, venons. Je mets ça où, dans le camion? Dans le camion, sur les étagères. Voilà. Hop. Alors, on va mettre les oranges au fond. Au fond. Tout au fond. Elles sont punies. Non, parce que les produits de saison, il vaut mieux les mettre devant pour attirer les gens. Après. T'as d'autres choses encore? Ouais, on va mettre les salades. Il faut surtout pas en raconter, des salades. Non, sinon c'est pas là. Sinon, le client n'est pas content. C'est bien organisé, hein, c'est une vraie petite supérette. Bah, c'est ce qu'il faut pour les clients. Ah, on va remettre un peu de melon en tout cas. D'accord. Ça c'est sûr. Voilà. Ah. Ça va, la cabine est un peu fraîche, hein? Oui. Allez, on est parti pour une quarantaine de kilomètres et une dizaine de villages. Génial. Ça va aller? Chouette. En plus, on a le soleil. Hein? On y va, on y va. Alors depuis combien de temps tu t'es installé ici, Didier? Parce que tu n'as pas l'accent du coin, toi. Non, 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 moi je viens de la Marne et ça fait... Alors ça va faire 11 ans que je suis dans la région, ça fait 10 ans que je suis installé. Okay. Et j'ai repris le commerce, quoi. Ok, et j'ai repris le commerce. Pourquoi tu as choisi de venir t'installer dans l'Ariège? Alors ma femme est de l'Ariège. D'accord, c'est une bonne raison. Ouais. Puis après, j'aime bien le contact des gens, donc c'était un truc que j'aurais bien voulu faire. Donc du coup, j'ai eu l'occasion de reprendre ce commerce-là. D'accord. Et comme j'adore ça, parler avec les gens, le contact humain et tout, donc ça me plaît. D'accord. C'est un truc qui me plaît. Bah, c'est une super bonne raison. Ouais. Et les paysages aussi, qui sont agréables. Faut pas l'oublier aussi, dans l'Ariège, c'est quand même... Tu fais toutes les vallées, tu dois connaître ça comme ta poche. Ouais, ouais. De 5 mètres, Didier, voir, fais voir, regarde bien, regarde bien la différence. Ah, pour être à l'ombre. Hé, hey, t'as vu le truc ou pas? T'as vu la ruse? Oui. Pas mal, hein? Ah, merci. Ah, c'est le petit monsieur qui vient là-bas? Ouais, c'est lui qui arrive, c'est Pep. Je vais venir avec toi un petit peu. Allez. Je vais finir la boutique. Bonjour, monsieur. Jérôme. Bonjour. Ah, Pep. Bonjour. T'as chaud? Fait chaud. Arrivé au soleil tôt ce matin. Oui, il a tout doucement, hein, il est arrivé, oui. Ça fait du bien, hein. Oui, vas-y, je t'écoute. Un paquet de biscottes. Un paquet de biscottes. On va les mettre dans le panier. Voilà. Melon, pêche plate. Un melon pour commencer. Ouais, un melon. Est-ce que vous avez un petit peu de visite ici? Visite? Ouais. Oh, pas trop. Il y en a pas tellement. Non. Oh non. Quand Didier vient, c'est... Oh oui, une fois par semaine, oui.
aujourd'hui, je croyais qu'il n'y était pas. Ah. Si, si, ça y est. Des croquettes, on a ouais. Paquet de croquettes. Non, des grandes aussi. Des gros paquets? Oui. Non, j'ai que ça, Pep. Ah, donne-moi ouais. Deux comme ça? Oui. Faut pas en manger trop, hein. Pour ça, il le met dedans. Voilà. Des pêches, vous en avez aussi? Oui, pêche plate. Donne 4 ou 5. Oui. Ils sont bons déjà. Oui. Ça y est, ça commence. Oui. Je comprends pas le patois. Ben, je comprends un peu. Ah oui? Oui, oui, un petit peu. C'est bon? On ferme? Oui. Allez. Ça aussi, c'est important pour les gens de. Il te donne le chéquier, ouais, tu fais ouais. La monnaie, il y a une confiance qui s'installe forcément. Ouais, ouais. Voilà, monsieur. Je vous laisse celui-là et je prends les autres. Oui, merci. Bon, faites travailler. Ah, ben, livraison à domicile, hein. Non, il a pas, il a oublié. Il allait oublier un peu. Ah, il y en a deux. Ah, oui, en deux. Donnez, donnez. Hop. Allez, voilà. À la prochaine. Oui, allez, Pep. Oui. Bonne journée à toi. Oui, merci. Bonne semaine, hein. Oui. Je vous pose ça sur la table. Allez, j'allais glisser, oui. Voilà, Pep. Oui. Bonne journée. C'est bon. Allez, on y va. Hop. Hop. Pas trop fort, j'ai réveillé les saucissons, sinon. Super mignon, c'est ces petits ruisseaux, ces petites rivières là qui longent les routes. C'est magnifique. Faut manœuvrer, dis donc. Hein. Ouais, c'est juste là. C'est juste. C'est pile poil, ça passe pour moi. Ah oui, c'est passe, large aussi. Ouais. Bon, ça va, il y a la largeur, ça va, c'est pas... C'est ça, les petits villages, ouais. Hein. On arrive chez Lily. Ah, Lily. Hop. Je vous donne mon bras. Venez avec moi. Ah, il vous faut quoi? Ah, tiens. Ah, il y a déjà la liste. Ah, j'ai la liste. Alors, au boulot, on y va? On y va, allez. Ouais. Vous faites votre liste de votre côté au fur et à mesure, tous les jours, vous rajoutez des choses. Ouais, c'est la meilleure façon de le faire. Lentille verte, petite boîte à vitre au sirop. Et quand Didier arrive, ça fait un petit peu de distraction. Ah, le jeudi. Le jeudi, ouais. On prépare le café. Voilà, comme ça, il faut faire le plein. Ouais, c'est ça. Faire le plein de courses. Bon. Et qu'est-ce que vous faisiez avant comme métier? Écoutez, mon mari était garde forestier. Bon, mes parents étaient agriculteurs. D'accord. Je faisais ce qu'il y avait à faire, quoi. Les jardins, les bêtes. C'était ma vie. Bon, mais il nous écoute, Didier, il bosse pas beaucoup. Hein. Hein, c'est pas comme ça que vous allez avoir votre plein aujourd'hui. Hein. Allez, j'attaque. Moi, je découvre l'Ariège, là. Ça fait 2 jours que je suis là. Ah, ah, et c'était la première fois que je venais. Et c'est très joli comme département. Oui. Lily. Oui. Il faut à Savane, hein. Quoi? À Savane. Ah oui, oui, j'ai pas marqué. C'est un oubli, quoi, ça fait rien. Oui. Vous avez mes habitudes, alors vous savez. Donc, pas... Oui. Tu m'as pas dit, Didier, vous êtes encore combien à faire ce métier d'épicier ambulant dans le département? Alors, dans le département, je pense que nous sommes encore au moins minimum 4, voire plus, mais je ne sais pas exactement, je sais pas. Mais 3, 4, c'est sûr, oui. Impeccable. Merci. Mais c'est plus lourd. Je te suis, parce que... Ouais. Toi, tu sais où ça se rend. Allez, oh. Le compte est bon, Lily, ça y est. Le compte est bon. C'est fait. Ah, c'est Bertrand Renard qui l'a dit, ça, c'est pas moi. C'est fait. Hop. C'est touchant hein, de voir comment les gens te reçoivent. Oui, c'est agréable. Devant des autres comme ça, comme ce que tu fais. Hein. J'essaye de faire de mon mieux et de. Voilà. Ça, c'est admirable. Moi, ouais. Ouais, c'est pas une admiration, c'est de. Voilà, c'est comme ça. C'est... Bah, si, ça. Si, si, moi je te dis. Ouais. Ce que tu fais d'aller au-devant des autres comme ça. Ouais, mais. Parce que j'imagine que c'est pas avec ce métier-là que tu vas rouler sur l'or, donc ah, tu non, le fais aussi non, par conviction. Mais oui, parce que. Par conviction. Voilà. Voilà, oui, donc c'est ça qui est admirable. Ouais. Ouais, mais bon. Bon, il faut accepter les compliments maintenant, ça suffit. Hein. Non, mais c'est.
je veux pas des compliments, d'accord, mais c'est pas un compliment de faire ce métier. C'est moi qui l'ai choisi, quoi. Bien sûr, mais tu le fais bien avec conscience. Voilà, c'est moi qui l'ai choisi, voilà. Moi, je suis toujours en train de me balader, donc en plus, c'est ça qui est bien. On prend le temps de vivre ici, voilà. C'est ce que tu veux dire. Ouais. Donc, avec un métier comme ça, c'est ça qui est agréable. Ouais. On parcourt le territoire de l'Ariège comme ça, et, ouais. Et on apprécie toute sa diversité et toute sa beauté. Sur les hauteurs pyrénéennes ariégeoises, des routes sinueuses et grandioses. Ces lacets attirent de nombreux passionnés de la bicyclette. Ancien facteur, Francis Bailly avait l'habitude de faire ses tournées à vélo. Véritable passionné, il parcourt plus de 10 000 km par an sur ses routes locales. L'Ariège et le vélo, je trouve qu'on a un département qui permet à chaque cycliste de trouver son terrain de prédilection. On a des paysages merveilleux, des petites routes, des cols qui commencent à être connus. Donc, c'est très bon pour l'Ariège. Ces cols sont connus grâce au passage annuel du Tour de France. Pourtant, Francis roule chaque jour pour se préparer à un tout autre événement, tout aussi attendu dans la région. Une cyclo-sportive incontournable qui a lieu chaque année, l'Ariégeoise. Aujourd'hui, la ville de Tarascon-sur-Ariège accueille des milliers de cyclistes pour le départ de la course. Ils viennent de toute la France et du monde entier. Fin prêt pour l'épreuve, Francis retrouve son vieil ami Jean-Claude Deschênes. Oh Francis, bonjour. Oh, comment tu vas? Salut Jean-Claude. Tu vas bien? Jean-Claude est un des piliers de l'Ariégeoise. Il l'a dirigé pendant plus de 20 ans. Avec une bande de copains, on a créé la première Ariégeoise qui a réuni 455 participants. Et là, maintenant, 20 ans après, on est depuis 3 ans, on a dépassé la barre des 5000 et on est classé au 5e rang des cyclosportifs en France. Jean-Claude Deschênes, ex-président pendant 22 ans et qui participe à sa première Ariégeoise. Et ça, messieurs, dames, ça s'applaudit, s'il vous plaît. 3, 2, 1, parfait. C'est parti pour des kilomètres de bonheur et de souffrance sur deux roues. Dans cette épreuve, il y en a pour tous les âges et tous les niveaux. Différents parcours sont proposés aux participants. Les plus courageux effectuent 172 km sur 4500 mètres de dénivelé et franchissent 5 cols. Les moins téméraires roulent eux pour le plaisir et pour l'ambiance conviviale. C'est le cas de Jean-Claude, toujours en forme. Ce qu'il y a de chouette pour moi, c'est que tout le long du chemin, je retrouve mes copains cyclistes. C'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Super beau, là, derrière. Ouais, vous savez qu'il y a un peu de neige encore, hein. Il y a des névés. Hein. Ouais, mais là, on est à plus de 2000. Hein. Ouais. Le parcours change chaque année pour permettre la découverte des paysages sensationnels et des lieux mythiques de l'Ariège. Quand on trace les parcours, on choisit des lieux qui sont historiques, où il y a des points de vue magnifiques, des cols mythiques. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Montségur, le massif du Saint-Barthélemy, les dernières neiges qui restent, le ciel bleu, la liberté, la vie est belle. À tout à l'heure. En tant que directeur de course, Jean-Claude était tous les ans sur le podium. Cette année, en tant que participant, il ne montera pas dessus, mais il franchira la ligne avec le sourire. Les reliefs de l'Ariège offrent aussi des terrains de jeu à d'autres types de pratiques à vélo. Au cœur du Couserans, Sébastien Malaret est en charge de gérer ces chemins empruntés par des centaines de vététistes à l'année. On a développé sur la collectivité, puis cette année, un gros réseau quand même de 500 km en tout de chemins balisés et sécurisés. Toute l'année, Sébastien élimine les obstacles naturels et veille au balisage.
Il y en a pour un peu pour toutes les pratiques, hein, la balade familiale, en passant par la pratique enduro, donc à profil descendant. Il y a des circuits d'itinérance à faire sur 2-3 jours. Donc voilà, il y en a un peu pour tout le monde, pour tous les goûts. Hors des sentiers battus, en pleine nature sauvage, ou à l'assaut des sommets sur les traces des coureurs du Tour, les amateurs de la petite reine ont vraiment de quoi s'amuser. Et depuis quelques années, pour les plus jeunes notamment, se développent des terrains de descente aménagés. De quoi réjouir ces acrobates, fans de cette pratique spectaculaire. L'Ariège est décidément un parfait terrain de jeu à vélo. Allez, c'est parti pour 2 heures de randonnée. Objectif, passer la nuit au refuge du Rhule, en pleine montagne. Salut. Le maître des lieux. Bonjour Calou. Ça va Jérôme? Super bien. Enfin ouais. Super bien. C'est relatif parce que j'ai mal aux pattes. Il faut grimper quand même ici. Hein. Bienvenue au refuge du Rhule, donc 2185. Bon, on va par contre la récompense est là. Hein. Et quel panorama fabuleux là. Mais ouais, on a cette vue panoramique presque à 360 degrés. Bon, c'est chouette, en plus tu as du monde, le refuge oui, fonctionne. Oui, ça vit, c'est bien. Bon, c'est chouette, dis donc, il est beau ce refuge de loin, là. Il est tout neuf, il est tout... Il est tout neuf, il a quand même une paire d'années, quoi. Il a été inauguré en 91, mais voilà, on essaie de l'entretenir, tu vois, de faire régulièrement les peintures, les lasures, tu redonner un petit coup de jeune, quoi. Hein. Je t'indique ta suite royale. Ah oui, bien sûr, oui. Allez. Bien sûr. Avec le jacuzzi. Hein. Voilà, c'est ça. Allez, je te montre tes appartements. Voilà. Ok. Tes appartements. Chambre numéro 4. Ouais. Petit dortoir. Impeccable. Tu as combien de couchages ici sur le refuge? On a 54 couchages, répartis en petits dortoirs de 4 et 6. Donc ça, les gens apprécient quand même. Et toi, la saison en refuge, elle s'étend de quand à quand? Alors la saison d'été démarre généralement fin mai jusqu'au 30 septembre, on est ouvert tous les jours. On a pas mal de gens qui viennent pour l'escalade, pour l'alpinisme. Moi, j'aime beaucoup faire la sieste, mais... Oui, non, oui. C'est vrai en plus. Mais pour autant, ouais, je sais pas, si on peut faire un peu de grimpette. Moi, je suis nul, j'ai pas de matériel en plus. Hein. J'ai tout le matériel, baudrier, chaussons, cordes, casque. Donc... Mais pas des parois comme ça, des parois comme ça. Non, c'est des secteurs d'initiation, si ça te dit. Eh ben écoute, j'enfile une petite demi-heure de marche. J'enfile une tenue et je te rejoins en bas. Ça marche. Ok, tout de suite. On va faire monter là. Quelle altitude c'est marqué là, l'hospitalier? Tu m'emmènes où? Dis-moi. On va aller faire un petit tour vers le pic de Pradette, là-bas. On voit ce petit col enneigé. Ouais. Et juste derrière ce col, il y a le petit secteur que je suis en train d'équiper, où j'ouvre de nouvelles voies d'initiation, notamment. Généralement, les gens qui viennent ici sont plutôt de passage une nuit. C'est ça la moyenne? Alors, la spécificité du refuge du Rhule, c'est qu'on a cette chance d'être à la croisée des chemins. Et il y a un peu tous les terrains. D'accord. Là, c'est plutôt de la montagne à vache, c'est assez doux. Alors que de l'autre côté, c'est plutôt minéral, c'est un peu plus exigeant, ouais. Des pierriers. Mais ça a son charme aussi, quoi. Il y a beaucoup de lacs, du coup, de ce côté, là-bas, et c'est splendide. Ouais.
se fait une petite pause. Si tu veux. Allez. Avec plaisir. Il t'arrive de venir de temps en temps là t'isoler, parce que t'as souvent du monde tout le temps, t'isoler comme ça juste pour savourer? Oui, c'est dans ce coin-là que j'aime bien venir pour décompresser un peu. Mmh. C'est ma deuxième maison, c'est un endroit magique, quoi. Bon, ben justement, c'est peut-être le moment pour moi d'aller mesurer, entre guillemets, parce que je pense que je vais faire 10 mètres et je vais être fracassé, mais... Tâter du rocher. Ouais, tâter du rocher. Le temps change vite à la montagne, hein. Ouais. Je te bloque. Tu me bloques, mais... Allez. Voilà. Et là. Allez. Et là, un pied même. Ouais, super. C'est ça. OK, ben là, tu essaies de te rétablir là-haut. Essaie de poser la pointe hein, du pied. Ouais, voilà. Tu charges bien ton pied. Allez, Jérôme. Aïe. Aïe. Merci de ton aide. Belle échappée. Yes. Merci, grand maître. Excellent. Ah, ça fait du bien. Mais ouais. Se faire travailler un peu les bras, je sais beaucoup se faire travailler les jambes ce matin. T'as pensé à autre chose, là? Ouais, hein, dès qu'on tourne la tête, wow, ébloui en même temps. Profiter des paysages. Allez, on se déséquipe. Les Pyrénées ariégeoises, une terre sauvage, un paradis pour les passionnés de sports vertigineux. Dans la vallée de Vic de Sauce, un petit groupe d'aventuriers finit de s'équiper avant de partir explorer les canyons environnants. Ah, le premier test, c'est déjà c'est de s'habiller, d'arriver à enfiler la combi, parce que c'est quand même pas... C'est du sport déjà, c'est bien pour l'échauffement. Jérôme est un moniteur de canyoning chevronné. Aujourd'hui, il emmène ses amis découvrir le canyon de Marc, un site unique qui s'ouvre sur les sommets du massif du Mont-Calme. Donc là, on est au départ du canyon. Là, on va vraiment finir de s'équiper, mettre tout le matériel. Allez, le petit casque, obligatoire. Parti, allez-y. Allez, on y va. C'est parti pour 2 heures de descente dans une faille longue de 400 mètres. Sensation garantie. Allez, c'est parti. Au programme, 80 mètres de dénivelé, de saut, de toboggan et tyrolienne dans une eau turquoise et transparente, un brin vivifiant. On va être à 11 degrés. Aujourd'hui, dans l'été, ça peut monter à 14. Ça reste une eau de montagne et là, on est sur les gros sommets derrière de la Haute-Ariège. Hein. On est à plus de 3000, donc ça va chercher quand même sa source assez haut. C'est rafraîchissant, tonifiant. Tonique, toujours tonique en gagnant. Allez, on la mouille. C'est hyper ludique, quoi. C'est... Il y a vraiment ce côté de l'eau et de jouer entre les rochers et l'eau. On retourne en enfance un peu. Après l'Ariège en été, ouais. Quelqu'un qui aime l'aventure, les côtés sauvages, c'est fantastique parce qu'on a tout à 5-10 minutes. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, je pense. Jérôme est fils et petit-fils d'Ariégeois. Il pratique le canyoning depuis plus de 20 ans, mais il vit de cette passion depuis seulement 4 années. À la base, je suis dessinateur industriel. Et voilà, j'ai quitté les bureaux, quoi. J'étais derrière l'écran pendant quelques années. Et mon bureau, maintenant,
c'est ici, quoi. Dans la forêt de Bélesta, un autre groupe d'aventuriers progresse vers l'entrée du gouffre de Las Gofias, une cavité régulièrement visitée par les spéléologues ariégeois. Il n'y a presque pas d'air. Il fait moins chaud dehors. Normalement, ça circule entre les deux entrées. Phil pratique la spéléologie depuis plus de 20 ans. Pour descendre sous terre, rien n'est laissé au hasard. Ça permet de mettre une dev là, vu que ce vis s'inspite. Non, pas forcément. Ça ne s'improvise pas. Voilà. Vraiment, c'est, la spélo, c'est une activité où il faut être bien organisé. Parce qu'il ne faut rien oublier. Une fois qu'on est sous terre, c'est trop tard si on oublie quelque chose. Nous, c'est un milieu qu'on connaît depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand on fait vraiment la spélo, on se sent dans une grotte comme à la maison. C'est libre. OK. Bonne descente, à tout à l'heure. Ouais. Et pour découvrir cette cavité naturelle, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Flo, tu peux descendre si tu veux. L'accès impose une descente en rappel de plus de 40 mètres dans un puits étroit. Du coup, tu rajoutes un fractionnement, Denis ? Welcome. On est au fond du trou. On est au fond de Las Gofias. Et on vient de descendre un puits qui fait 40 mètres à peu près. Et on arrive dans une grande galerie avec des concrétions. Et c'est un réseau fossile, donc c'est un réseau où les concrétions sont anciennes. Donc c'est pour ça que ça a ces couleurs marron, c'est figé dans le temps maintenant. Véritable passionné d'exploration, la troupe multiplie les sorties, toujours à la recherche de nouvelles cavités. L'Ariège, c'est le paradis de la spéléo. C'est un milieu de montagne où il y a énormément de cavités assez exceptionnelles, où on peut toujours faire de l'exploration. Donc toujours découvrir de nouveaux réseaux. Donc ça, c'est quand même un privilège. On ne trouve pas ça partout en France. Au cœur de ce massif karstique, véritable cathédrale souterraine, l'aventure est autant esthétique, scientifique que sportive. Au milieu des stalactites et des curiosités géologiques, le groupe continue de progresser dans les galeries, ou plutôt de se contorsionner. Quand on n'a pas l'habitude, on a l'impression que là c'est étroit, mais quand il y a l'habitude, tu sais que c'est pas étroit du tout. Et moi je sais que si ça fait un peu plus qu'un empattement, donc de mon majeur à là, je passe. Pour ces aventuriers que leur passion emmène sur les cinq continents, revenir en Ariège, c'est revenir sur des terres d'exploration historique. Au fond du gouffre, une concrétion calcaire monumentale, la plus grande connue jusque dans les années 40, les émerveille toujours autant. C'est pour ce genre de découverte que les spéléologues ne sont pas prêts d'abandonner l'exploration. C'est un jeu de gamin, hein, on ne sait pas où on va et on essaye de trouver des cavités longues, belles, avec des rivières, avec des concrétions, etc. On se régale, découvrir une nouvelle cavité, tu arrives en haut d'un puits, tu ne sais pas combien il fait, tu le descends, il y a le puits d'après, tu en rêves. Paradis sauvage, souvent difficile d'accès, l'Ariège n'a pas fini de livrer ses secrets. Et bon appétit. C'est bon, c'est très bon. Oh là là. Petite soupe. Il faut ça parce que demain, il y a encore du boulot. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'as prévu une activité encore physique? Ouais, carrément. Donc on a ravitaillement demain en hélico. Il me faut de la main-d'œuvre et des valeurs sûres. Quoi, voilà. Donc, je t'aiderai avec plaisir. C'est une soupe à quoi? Ça, c'est un velouté de poireaux pommes de terre. Formidable. Merci. Eh bien, bon appétit. Il n'y a plus qu'à. Bon appétit. Thank you.
Ouais, salut l'équipage. Il y aura pour nous deux charges à monter et une à la descente à poser dans ma remorque, s'il te plaît. On sera là plutôt vers 11h. Allez, merci, à tout à l'heure. Bonjour Calou. Salut Jérôme. Comment ça va? Bien et toi? T'es déjà affairé? Ouais. Ouais, ouais, il faut ça parce qu'on a le... L'hélico qui va venir? Voilà, on a le ravitaillement aujourd'hui. Donc on a deux charges qui vont monter et puis nous on va descendre une charge avec des choses qui ont déjà été consommées, enfin des bouteilles de gaz, des fûts de bière. Puis après on achemine tout ça à la déchetterie en vallée. D'accord. Ouais. Je vois que tu tries, tu fais très attention à l'environnement. J'ai vu des panneaux solaires aussi hier. C'est important de faire un tourisme éco-responsable ici? On a un projet actuellement qui va être mené, c'est la mise en place d'une petite centrale hydroélectrique. Du coup, on va capter un petit cours d'eau. Voilà. La force de l'eau va faire, on espère, va créer de l'énergie. On va voilà, dire. Et ça, c'est une manière d'avoir de l'énergie nuit et jour. Ouais, c'est important, oui. Ouais. Faire attention à cet environnement, pour ne pas gâcher. C'est ça. Hein, ce beau territoire. Ouais. On s'efforce de laisser le moins de traces de notre passage ici. Je vais pouvoir t'aider là. Eh bien avec plaisir, ouais, ouais, ouais. Préparer la base avec les fûts et les. Ah oui. Les bouteilles de gaz. On le cale au milieu. Je vais se disposer dessus. C'est quoi? C'est l'hélico, ça? Non, ça, c'est Henri qui fait des images, ça. Ah, c'est l'ULM? Ouais, ouais, il fait de la photo aérienne, comme ça, génial. Là, souvent. Tu vois, été comme hiver, il passe, il nous prend tous les refuges de l'Ariège, là, il nous fait des photos, puis après, il nous les envoie, souvent. Sympa. On va essayer de... Là, il faut faire un... Un chauffeur, le caramel. Un chauffeur, et essayer de... Des coiffes, non? Il n'y a plus qu'à. Comme si j'avais besoin de ça. Il n'y a plus qu'à. Oh, les bons fruits, les bons légumes. C'est beau, ça. Les carottes sont pas encore cuites, hein? Ouais, Barbon, pour Calou. Ouais, reçu. Bon, écoute, on a ouvert les charges. Là, je pense que tout est OK. Surtout la tireuse à bière. Ouais, ouais. Eh oui, surtout la tireuse. Ah oui, la tireuse à bière, forcément. Bon, mais merci à tous. Merci pour tout. Et puis à bientôt. Ça marche, à bientôt. Bonne journée à vous. Bon, c'est vrai que c'est précieux pour toi, hein, cet hélico qui vient tout ensemble. Par contre, c'est très onéreux, l'hélico. Comment vous faites? Oui, c'est sûr que c'est onéreux, mais on n'a pas le choix. Sur autant on arrive à porter du frais, du pain, des légumes régulièrement. On fait nos 4-5 portages par semaine en pleine saison. C'est quoi le prix? C'est autour des 30 euros la minute, à peu près. D'accord. Donc ça fera dans les 450 euros. D'accord, ok. À peu près. Très bien. Voilà. Bon, Calou, merci pour tout. Ouais, merci à toi, Jérôme. Merci pour ton accueil, m'avoir fait partager ta belle montagne, ton beau massif, là. C'était très chouette. Et j'espère que tu vas faire une belle saison, qu'il va y avoir plein de randonneurs qui vont venir. On y compte bien. Tu vas pouvoir leur faire partager ta passion. Là, et découvrir ce rulle. Découvrir ce beau site. Ouais. C'est ça. Bon, prends soin de toi. Oui. Là, je file, merci. Je vais voir Jason. Ouais. En bas, aux cabanes, parce qu'on... On passe régulièrement. Demain, c'est transhumance, donc... Ok. Je serai bien échauffé, je pense. À l'ouest de l'Ariège, dans le pays couserans, bordé par les courants du Salat, les ponts et les murs des maisons cachent un trésor méconnu. Leurs fondations ont été réalisées avec l'un des matériaux les plus précieux au monde. Une richesse enfouie dans le sol de cette vallée encaissée.
Là, c'est l'endroit 3,50 m où il va arriver le deuxième trou. Parce que là, il faut faire plusieurs trous avec le marteau. Si Giorgio prend autant de précautions pour extraire la roche, c'est que son sol est un produit de luxe, demandé aux quatre coins du monde. Du Saint-Siège à Rome, jusqu'au tombeau de Napoléon aux Invalides, le marbre grand antique orne les monuments les plus prestigieux. Et là, on voit déjà le dessin du grand antique, le blanc et le noir. Et des endroits qui ont des défauts, comme des taches plus jaunes, des taches plus grises. Donc ça passe un peu en deuxième qualité. C'est une chasse au trésor, on ne sait jamais ce qu'on va trouver dans la montagne. Le forage permettra de savoir si Giorgio est sur un bloc de bonne qualité. C'est bon, c'est là. Allez, allez-y. Pour son marbre, Giorgio a quitté l'exploitation familiale du fameux marbre de Carrare en Italie. C'était en 2012 et à l'époque, tout a commencé comme une aventure de vacances. Un dimanche, je dis, je vais me promener un peu et je suis venu là. Mais pratiquement, on ne voyait rien, c'était un lac. Je me suis fait prêter un kayak d'un copain ici à côté. Et je suis rentré avec un kayak. Dans cette étendue d'eau, il découvre ces parois gigantesques. Le résultat naturel du mouvement des plaques dans la chaîne des Pyrénées il y a des millions d'années. La qualité, parfait. C'est comme ça. Quand il est comme ça, il est très demandé. Dans cette marbrerie, Pascal sculpte la matière pour lui donner vie. C'est assez doux. C'est pas désagréable à tailler. On est bien face à la matière, c'est quand même... C'est pas un combat du tout, c'est juste... voilà, c'est une rencontre. Loin du bruit des machines, au volant de sa voiture, David est à l'écoute de la rivière qui serpente à l'entrée du piémont pyrénéen. Son trésor, à lui, l'or, coule non loin d'ici. J'essaie de savoir où se sont cachées les paillettes cet hiver lors des crues, en espérant qu'elles soient de sortie aujourd'hui. C'est un peu comme les truites. C'est un endroit difficile à trouver et donc peu de monde y vient au final, c'est délaissé. Dans ces petits cours d'eau, on peut trouver des choses qu'on ne verra pas ailleurs. C'est pas mal par là. Il y a des gros blocs, ça veut dire que les choses denses se sont arrêtées par là. On va pouvoir tester la richesse en minéraux lourds et la possible présence de graines d'or ou de paillettes. On va bien voir ça, il faut laver du sable pour en être certain. Contrairement à la légende, la ruée vers l'or n'est pas qu'un mythe américain. En Ariège, la quête a commencé dès l'Antiquité et au XVe siècle, les cours d'eau prennent le surnom d'Oriège. On a du schiste et on a du quartz. Et l'or est très souvent présent dans des filons de quartz. Après quelques minutes de recherche infructueuse, l'intuition de David était la bonne. Voilà, il y en a deux. C'est des paillettes, des petites paillettes d'or. On arrive dans la couche où les minéraux lourds se sont concentrés. C'est très encourageant. David décide de remonter la rivière à la recherche de cet or de l'Ariège, arrivé dans ses courants par d'anciens filons de montagnes érodées. J'ai un confrère dans les parages. Dans le monde des chercheurs d'or, on n'est pas nombreux. Et Jean, ça fait très longtemps que je le connais. C'est même lui qui m'a enseigné certaines astuces. On va voir s'il a eu plus de chance que moi. Tu en as trouvé beaucoup ? J'ai trouvé trois paillettes. Trois paillettes ? Des petits points. Il y a des petits points. Bon, les petits points, on les reménageait comme ça, ils vont grandir peut-être. Comme David, Jean a attrapé dans ses rivières de l'Ariège la fièvre de l'or. Ça ne s'explique pas. Je pense que c'est le petit truc, le flair, l'instinct. Tout ce qui n'est pas matériel, quoi. C'est vraiment... Puis le plaisir, hein. L'envie aussi. Peut-être qu'on a un côté... L'or nous fait rêver, quoi. Allez, on va manger. Tu veux le quignol ? Le bon pain d'Ariège. Le meilleur moment de la journée. Après l'effort, hein, le réconfort. Pour vivre sa passion, David est parti aux quatre coins du monde, sans oublier de toujours revenir dans son Ariège natal. 25 ans de recherche pour obtenir ce trésor, le rêve de tout orpailleur. Waouh, waouh, waouh.
ça vaut quand même le coup. Hein. Tu les reconnais ? Ariège. Voilà. Ariège, oui. Ça, c'est lors de la rivière Ariège. J'arrive à reconnaître tous les échantillons que j'ai dans les boîtes. Parce que c'est moi qui suis allé les chercher. On sait bien qu'on ne fera pas fortune avec les paillettes qu'on trouve. Mais ces moments, c'est des moments à mort. Depuis bien longtemps, les rivières de l'Ariège ne sont plus un filon. Aujourd'hui, il ne reste que des miettes. Pas assez pour s'enrichir, mais largement suffisant pour rêver. Et c'est bien là le plus important pour David et Jean. Ben bonjour. Bonjour. Je commence à prendre l'accent, tu vois. Comment ça va, Jason? Et toi? Ben très bien, merci. On dit Jason, hein? Jason, c'est bien ça. Voilà, Toison d'Or, c'est moi. C'est toi, ça. Tu es Jason. Voilà. C'est ça. C'est ta boutique, alors? C'est ça. C'est le magasin où il y a les produits de notre ferme et d'autres collègues agriculteurs et artisans. Je crois avoir vu ta trombine, non? Je connaissais pas ce mannequin. C'est un mannequin riechois, celui-là, non? C'est super de mettre vos trombines sur les produits, je trouve. Eh ben merci. Bon, écoute, Jérôme, c'est bien beau de les regarder, ces produits, mais quand même, on va aller les goûter. Avec grand plaisir. Donc, Fabien, on est associé sur la ferme. Salut, sur c'est Jérôme. On est quatre associés sur la ferme. Il y a Fabien, Thierry, mon père et moi. Ça, c'est tous les bons produits que vous fabriquez. Voilà, différentes choses à goûter, des produits de la ferme. Donc ça, c'est... Saucisson de bœuf. C'est un beau produit, c'est très bon. C'est chouette de voir des jeunes comme vous reprendre ces métiers-là dans un milieu rural et agricole qui est de plus en plus déserté par les nouvelles générations. Est-ce que c'est toi qui as insufflé ces idées de plus modernes, de faire une boutique, un restaurant et tout ça? Alors mon père avait déjà commencé parce qu'il s'est installé en 95 ici en tant qu'agriculteur. Et dans la foulée, il a créé un petit magasin de produits fermiers où il vendait exclusivement ses produits en fait. Et de fil en aiguille, il a commencé à grandir le magasin et puis le restaurant qui est arrivé en 2012. Voilà. Donc ça, c'est un carpaccio de bœuf avec une huile que nos cuisiniers fument au fouet. Voilà, c'est une des spécialités du restaurant également et voilà un plat qui est pas mal du tout. C'est fumé au fouet. Au fouet. C'est vraiment très bon. Ah oui, on sent vraiment très bien ces petites gouttes de fumée. C'est une très bonne idée. Bonjour. Père, regarde-le. Ça va, Jason? Et toi? Et ouais, comment ça va? Tu m'as amené des trucs, toi, ouais? C'est ça, je vous ai amené quelques produits de la pisciculture. Notre produit fort, la truite fumée. Alors, qu'est-ce qui vous lie autant à votre territoire? Le désir de valoriser notre territoire à travers notre environnement, mais c'est pour nous une fierté, quoi. C'est un attachement profond, je dis souvent, et quasi viscéral, quoi. On est extrêmement attaché à ces vallées, à ces montagnes. Avec grand plaisir. Elle est bonne, ta truite, hein? Oui. C'est bon, hein? C'est bon. Si ça t'intéresse, je t'invite avec plaisir à découvrir notre activité, ouais. La pisciculture. D'accord, c'est loin d'ici? Pas du tout, c'est à 500 mètres. Hein. On peut y aller. Oui, d'accord. Ah, bah, avec plaisir. On trinque, hein? Ah oui, on trinque. Bien sûr. À l'Ariège? À l'Ariège, il y a ces nouveaux talents. À ce pays. En parlant de ça, quand même, demain, n'oublie pas qu'on va la traduire, c'est tout ensemble, monter les vaches. Oui, oui, on va monter les vaches, oui. Tu dis ça pour pas que je boive trop de vin, c'est ça. De toute façon, je bois toujours avec modération, tu peux compter sur moi. Merci en tout cas pour ça. C'est dans un cadre extraordinaire, là. Hein. C'est ça. Magnifique. Donc c'est organisé en différents bassins qui se déversent les uns dans les autres. C'est ça. Donc sur cette première plateforme, tu as les petits. Mm-hmm. Sur celle d'en dessous, des poissons beaucoup plus gros. Ouais. Entre chaque bassin, donc il y a une cascade pour que l'eau soit bien oxygénée. La rivière est détournée avec un barrage et alimente les bassins. On est vraiment dans un milieu quasiment naturel, quoi. D'accord. Le barrage date du château de Verdun, qui est juste devant nous.
tu veux me montrer quel type de truite là? Donc ça, tu vois, Jérôme, c'est la truite arc-en-ciel. Mm-hmm. Donc elle est reconnaissable avec sa bande latérale rosée. Ah oui, l'espèce de reflet là. Il y en a une qui est différente, c'est une autre espèce celle-ci. Donc ça, c'est une fario. Ah oui, il y a les petits points orangés. Petits points rouges. Une robe un petit peu plus noire et jaunâtre. Ouais. C'est la truite qui est endémique de chez nous, d'accord, de nos rivières. Ah, c'est du poivre, c'est pour ça qu'il a un petit goût épicé, ce poisson. Allez, viens, tu vas faire l'apprenti pisciculteur. Oh là là. Donc, tu veux que j'essaye un petit revers lifté comme ça? Mais je t'en prie, essaye-toi. Attention, j'essaie de... Vas-y. Alors, tu leur donnes à manger combien de fois par jour? Là, c'est 2 fois par jour. Ok. En tout cas, c'est super cool, cette petite découverte. Merci, Morgan. L'Ariège est un territoire montagnard et rural. Une terre sauvage, propice à l'élevage. Parmi les troupeaux, avec sa robe noire et sa longue crinière, la star locale est sans conteste le cheval Mérins. Il aurait occupé la région il y a 15 000 ans, avant même l'arrivée de l'homme. Ah, c'est bien chaud. C'est bien. Oui, à droite. OK. À la tête de cet attelage, Jean-Louis Savignol, un éleveur passionné. On va faire une sortie de virage un peu chaude. Les chevaux de Mérins sont ce qu'on appelle des demi-traits, donc ils font entre 500 et 600 kg. Et en fait, ce sont des chevaux qui sont des chevaux de travail à la base pour les fermes. C'est des chevaux, par exemple, qui ont fait la guerre de Napoléon, de Russie et d'Espagne, et c'est les seuls qui sont rentrés avec moins 40 à ramener les canons. Donc c'est un cheval très, très rustique. On a des chevaux qui sont rudes, difficiles, qui travaillent sur des chemins difficiles. Et on est un peu sur la même mentalité de l'ariégeois de base, qui est un peu dur, qui se plaint jamais et qui, voilà, qui accepte le terrain dans lequel il vit, quoi, et qui en est fier. Dans les années 80, Jean-Louis, grand baroudeur, vivait loin des chevaux de son pays natal. Cascadeur, chef de chantier en Afrique ou encore publicitaire à Paris, il a voyagé dans le monde entier avant de revenir auprès de sa famille et de ses Mérins. Les chevaux, ben, il se trouve que les chevaux étaient dans la famille, quoi. Donc je suis revenu un peu pour ça, puisque ma mère avait repris l'élevage de mon frère qui était décédé. Et vieillissante, je la voyais mal avec 40 chevaux toute seule, quoi. 1m50, 45 kg. Donc, en fait, on a refait une vie avec Christine autour de ce projet-là, il y a 20 ans. Bon, on ne savait pas trop où on allait. Et puis aujourd'hui, on n'est pas mécontent parce qu'on est plutôt heureux. Quand Jean-Louis et sa femme ont repris l'élevage familial, ils ont dû apprendre à dresser le Mérins, une race très spéciale. Mais c'est pas mal, il répond pas mal. Hein. On est sur du cheval rustique qui est têtu. Elle est très, très têtue. Si j'y vais en force, je n'aurai absolument rien. Pour vendre et monter leurs chevaux, ils ont adopté une technique particulièrement douce. La méthode qu'on a adoptée ici, c'est les méthodes éthologiques. Donc c'est la communication avec les chevaux et pas contre les chevaux. Jean-Louis murmure à l'oreille de ses protégés et travaille avec eux en parfaite communion. Voilà, et là je vais la connecter. Voilà.
Elle l'a demandé en même temps que moi. Voilà. Voilà. Si mademoiselle veut bien se donner la peine. Voilà. Autour de l'espèce Mérins gravite une vraie communauté. Patrick Chen est vétérinaire ostéopathe. Un ostéo d'un genre un peu à part. Il accompagne sa pratique d'un chant diphonique. À la base, je fais de l'ostéopathie. Hein. Donc, je me sers de mes mains pour soigner et surtout de mes mains comme lecteur de tension. Le but du jeu, c'est de trouver n'importe quel moyen pour les enlever. Et il se trouve qu'avec le son, ça se détend. Et donc, il faut trouver avec la voix la bonne fréquence pour faire détendre et la main constate ce qui se passe. Les méthodes de Jean-Louis et Patrick étonnent les plus sceptiques. De toute façon, des fêlés en Ariège, mais il y en a partout, quoi. L'Ariège, c'est un endroit où y a de quoi effectivement faire plein d'expériences. Et oui, c'est une bonne terre pour ça. Direction de la montagne. Chaque été, Jean-Louis et Christine installent leurs chevaux en montagne, dans leur milieu naturel. Hublot, Silk et Entamac vont rejoindre le reste du troupeau en estive et passer 4 mois dans les hauteurs ariégeoises. Leur estive, là, c'est tout ça, quoi. Hein. C'est tout ce flanc de montagne, jusqu'aux arbres, là. Voilà. OK, eh bien, on va leur rendre leur liberté totale. C'est comme vous voulez. Le Mérin, c'est avant tout un montagnard. Même dressé, il a besoin de vivre sur un terrain sauvage. Chez nous viennent des Russes, des Australiennes, des Américaines, des Néo-Zélandais, des Africains du Sud, pour faire des transhumances avec chevaux de Mérins. Pourquoi ils viennent ici? Ben parce qu'on a quelque chose d'unique. Voilà. Dans les années 70, l'espèce Mérins était en péril. Sans l'amour des passionnés du cheval noir, sa survie serait aujourd'hui impossible. Le papa de Jason. Le papa. Enchanté, Philippe. Enchanté. Salut. Bonjour, Fabien. Fabien, on se connaît. Ça va, Jason? Ouais, ça va. Content de te retrouver. Pareil. Bonjour. Bonjour, les gars. Bon, vous êtes fin prêt à partir là-haut? Voilà. Tout là-haut? On va bientôt démarrer. Bon, ben, je découvre cette fameuse race gasconne. C'est ça. Bon, c'est une vache blanche et grise. Hein. Petite, elle est très, très rustique, très maternelle. Elle aime beaucoup ses petits aussi. Et c'est une vache qui est adaptée à son territoire, quoi. C'est vrai. Ouais. Et là, on va les monter jusqu'à quelle altitude, là? Là, aujourd'hui, on va les monter à 1800 mètres d'altitude. Donc ça fait combien de kilomètres de transhumance? On va faire une quinzaine de kilomètres. Ah ouais? Donc elles sont... Ah ouais, elles sont en forme. Elles sont en forme. Bon, on s'arrête pas parce que t'as l'impression que t'avais l'intention de faire une petite partie de rugby ou pas? Ah, c'est ça, la tenue pour être prêt pour transhumer. À l'aise. Bene, bene, viens moi, bébé. Bene, 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 bene. Allez, on y va. Bene, 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 bene. Plateau de Baye, étape du Tour de France. On est sur un rythme digne
Les plus grands grimpeurs, là. Ça nous fait du bien. C'est un démarrage à fond. Voilà. Mais il te manque quand même un détail. Ici, les traces du Mans, c'est les bérets. Tout le monde a un béret noir. Ah oui. T'es obligé de te mettre un béret noir pour faire une vraie trace du Mans. C'est le logo de chez toi. Le logo de la maison. Allez. Là, parfait. Et je prends l'accent, comme ça. Un vrai montagnol. Merci. Merci, Jason. Allez, les filles, allez. Ven. Je n'aide pas. Elles comprennent pas mon accent. Allez. Je regrette, monsieur, mais c'est pas réglementaire qu'il y en a une qui se fasse remorquer. Enfin, qu'il y en a un qui se fasse remorquer. C'est les joies de la nature. Allez, venez. Ouais, j'imagine que dans une année, c'est un moment fort, la transhumance. Ouais, c'est toujours un moment particulier. Ça marque le début de l'été. Tu te souviens de ta première transhumance, avec quel âge? La première, je devais avoir 3 ans. Oh! Je devais avoir 3 ans, ouais. Alors, c'est quoi les souvenirs qui te restent de ce moment-là? Déjà, quand j'étais plus petit, j'étais derrière le troupeau, hein, bien sûr. D'accord. Voilà, et le souvenir que j'en ai, c'est que c'était un moment que j'aimais beaucoup. Et une ambiance assez familiale, conviviale, et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Alors, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai une fille hein, qui a juste 1 an. Ah oui, donc une pitchoune. C'est ça. Mais bientôt, tu vas l'emmener avec toi. Tu vas la prendre sur le dos pour faire la transhumance? Ah, elle fait déjà quelques randos avec moi, ça commence. Tu l'as déjà élevée dans la pleine nature, quoi. C'est... Ah oui, elle sera élevée là, dans ces territoires ariégeois, ça c'est sûr. Écoute, tu vois, moi je mets une petite laine parce que plus on monte, plus c'est frais. Ah, c'est la montagne, ça. Ça peut changer. Un petit peu de brume. Allez, les filles, on arrive. Hein. C'est beau dans la brume. Hein. Elles sont belles. Allez. Allez, les bibis. Nous y voilà. On est arrivé. La liberté s'offre à elles maintenant. Ouais. Elles vont pouvoir pâturer pendant des mois maintenant. C'est ça, pendant 4 mois. Bon, je suis frustré évidemment de ne pas arriver et voir la vue du plateau de Baye, mais ce sera une bonne raison de revenir, cela dit. C'est ça, c'est les aléas de la montagne ici. En tout cas, c'était un super moment. C'est sympa. Dans la simplicité et dans l'authenticité. C'est ce que j'aime. Je vous remercie. Merci mon Jason pour ça. Merci bien. Allez, je vais aller les compter pour te faire plaisir. Allez, c'est parti. Allez voir dans la brume, c'est bien. Mon séjour se termine. Comme vous avez pu le constater, en Ariège, on vit en osmose avec la nature. Une nature magnifique, sauvage, préservée et respectée. Les activités de plein air comme la montagne, les rivières, les lacs sont nombreuses et variées. Moi, j'ai été particulièrement touché par les jeunes comme par les anciens en voyant combien les Ariégeois se démènent, combien ils sont dévoués à mettre en valeur leur belle région pyrénéenne et combien l'authenticité et la solidarité sont des valeurs très ancrées ici. Je remercie donc Jordi, Calou, Didier, Morgan, Jason et les autres. Merci pour votre sincère générosité. Merci pour le partage. Et je pense que vous m'avez gâté en me montrant votre département de l'Ariège encore plus beau. En tout cas, je l'ai trouvé particulièrement séduisant. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir ce programme en replay ou bien le suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou encore Twitter. Bye bye, à bientôt.